Bonjour, aujourd'hui donc on peut voir le tracé sur Excel. Ici on a un tableau et on veut insérer ces deux lignes dans un tableau ici sans modifier le tableau. Donc pour 2010, on fait CTRL sur ce tableau ici, E et Entrée. Mais pour 2013, c'est ici E deux fois puis Entrée. On va voir ici j'ai Excel version 2013, donc je mets CTRL X, je mets donc ici CTRL X, et si je pose ici et je mets tablette de 2 fois E, Entrée. Voilà, donc je vais faire CTRL Z. Donc ici on se limite ici à 15, à la ligne 15. Je vais donc resélectionner CTRL X. Je me pose ici, je mets CTRL 2 fois E et je mets Entrée. Voilà, donc elle est ajoutée ici. Pour 2013, c'est comme ça. Mais pour 2010, c'est une fois tablette E et Entrée. Ok? Pour 2010, c'est ici, une fois E et une fois Entrée. Mais pour 2013, ici une fois, ici deux fois, et ici une fois. Ok? À la prochaine.